Cette année, on a 33 artistes et 112 œuvres. On a aussi des mentors invités comme nos doyens, comme Baye Mouké Traoré, Djibril André Diop et le doyen Adama Sylla. Vous voyez aussi, il y a la qualité. Moi, ce que j'apprécie, c'est la qualité de l'expo et l'évolution des itinéraires artistiques. Ça se voit. Donc pour les innovations aussi, il y a des activités comme des ateliers de formation. Donc vous savez que l'expo c'est du 6 mai au 10 juin. Donc chaque week-end, on organise des ateliers de formation, des workshops avec des artistes confirmés. Donc aussi il y a un panel aussi qui est prévu. Vous voyez, donc il y a plusieurs thèmes. Il y a plusieurs thèmes. Donc vous voyez le thème de nos parents Lebou. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé sur le culture Lebou. Et moi aussi je suis gandarien, je suis Lebou. Donc aussi, il fait partie des expos que j'aime beaucoup. Je suis très content de constater que d'année en année, les œuvres sont de plus en plus respectueuses, je veux dire. Les artistes font beaucoup d'attention au choix du matériel et à la préparation de la toile quand il s'agit des tableaux et tout. Il y a une seule œuvre qui nous est arrivée sans un bon châssis et l'œuvre a été automatiquement écartée de l'exposition. Donc c'est ça aussi qui fait que vous avez une aussi belle exposition. Et je pense que la grande innovation cette année, c'est qu'il y a une présence très forte des photographes. Certains nous ont présenté des œuvres réalisées à partir de drones. D'autres sont restés beaucoup plus traditionnels. Mais la qualité est toujours là. Toujours le fil conducteur, c'est la qualité. Donc, de manière très ramassée, ce qui nous a guidés dans la sélection de ces œuvres. C'est avec un grand plaisir, depuis 9 ans, on est à la 9e édition, qu'on reçoit les artistes et il faut se dire que ce n'est pas uniquement des Saint-Louisiens ou des Sénégalais. Il y a même des étrangers parmi eux, des Gambiens, des Mauritaniens, etc. Et ça, on le leur doit, comme le disait tantôt le commissaire, il faut qu'on les accompagne parce qu'ils le méritent. On se rend compte que d'année en année, chaque fois, les œuvres sont encore plus belles et c'est avec un réel plaisir que le CRDS les accompagne, que les CRDS les reçoivent et surtout autour de ce qui est art plastique.